Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve dans le passé de The Legend of Zelda Oracle of Ages. Qu'est-ce que tu vas faire d'amis aujourd'hui? Eh bien, je vais suivre les sages conseils de... L'arbre Bojo, qui nous a bel et bien indiqué des endroits fort sympathiques à aller, n'est-ce pas? Je crois qu'elle nous a juste dit d'aller vers la côte ou je sais pas quoi. Oui. Donc, c'est exactement ce qu'on est en faire là. Oui, tu vois, tu es déjà là. Oh! Ah, mais tout était sagement calculé, bien entendu. Ah. Je devrais peut-être. Oui, c'est ce que je me disais. Là. Tu lui jettes dans la figure. Alors là, un truc bien. Absolument rien! Oh là là, déception! Fais attention, où tu vas! Je viens de ce tunnel! Je volais tranquillement! Que fais-tu ici? Bon, je vais te voler tes affaires. Oh là là, la déception est tellement grande! Petit, je m'en souviendrai! Petit! Ah bah petit! 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 Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, ça c'est justement. Ah! Ça c'est justement une. Un truc qui a fait beaucoup soulever des questions vis-à-vis de Mademoiselle Maple. Est-ce que c'est la même ou pas? Ouais, voilà, et en fait. Alors les gens ont plutôt tendance à penser que c'est effectivement la même, mais c'est est-ce qu'elle voyage entre les temps? Enfin le pas, est-ce qu'elle voyage derrière le temps? Et ok, on pouvait simplement grimper comme ça, c'est incroyable. Ou alors est-ce qu'elle est genre juste extrêmement vieille en fait? Et âgée, attention. Pardonnez-moi, on ne dit pas vieille, attention. Donc du coup bah voilà. De quelle team fais-tu partie? Penses-tu qu'elle est âgée ou penses-tu qu'elle est aussi... Moi je pense que c'est deux Maples différentes. Ah oui, oui, bah c'est un peu bon, hein. Pourquoi pas rentrer dans ce terrain-là? Je pense pas que c'est souvent, je pense que même que c'est la même. En fait, je me souviens pas du dialogue qu'elle nous a dit la première fois qu'on l'a rencontrée dans le futur. Après, si on va dans des époques différentes à chaque fois, je pense pas qu'il y ait 40 Maples différentes. Donc finalement... Peut-être qu'elle voyage à travers le temps avec nous, parce qu'on fait des portails partout. Ce serait bien aussi que je fasse un portail à un moment aussi. Bah tiens, justement, voilà. Allez, je me balade, je t'avoue que je sais plus où il faut que j'aille là, mais... C'est pas grave, je me montre, je crois qu'il y a un truc que j'ai envie de montrer qui ne sert strictement à rien. Mais... En tout cas, la Maple extrêmement... La Maple extrêmement âgée, j'aime bien cette théorie là aussi. Bon, âgée, mais pas au niveau du comportement, hein, comme vous le constatez. Écoute, si elle vit tout le temps toute seule, elle voit pas le temps passer... Elle vit même pas toute seule, elle vit avec sa super maître, Sirup. Est-ce que Sirup, on la verra, est dans le passé et dans le futur? Ça j'avoue, je m'en souviens pas. Alors je voulais juste voir, il me semble qu'on peut... On peut pas dormir ici. Ah mais oui, mais j'ai pas perdu de vie en fait. Oh. Il me semble qu'on peut dormir dans le lit. Avant de faire des bêtises. Ah non, on peut pas. Tu dois sauver Nerou. Pas vouloir dormir dans son lit. Mais j'étais persuadé qu'on pouvait dormir dedans. Mais en fait, non. Ah, je suis déçu là, mais non. Tu as sauvé. T'es sûr qu'on peut pas dormir? Ouais, on peut pas. Bon, ok, je suis venu ici pour rien, du coup, ça fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave, on discute sur. Sur ma Attends, mais on y a été là ou pas là? Je crois que non. Bon, je crois que je me souviens à peu près d'où est-ce que je suis censé aller, donc c'est absolument pas là, mais... Ah bah ça ressemble pas trop aux côtes. Alors, roule roche, Citéina. Ok, très bien. Ah bah voilà. Bon, bah ok, moi on est... La fin du c'est rêve vite, c'est... Bon, je crois que je me souviens à peu près d'où est-ce que je suis censé aller, là. On va peut-être faire une petite rencontre, il me semble. À défaut de pouvoir dormir dans le lit, là. Il me semble... que si je ne dis pas de bêtises, on peut gagner ces fameuses graines. Alors que c'était peut-être dans le passé en fait, oh là, je sais plus. J'aurais peut-être pas dû changer de truc. Je ne sais plus. Bah ici, la dernière fois, j'y étais allé et justement... C'est pas là qu'il faut aller, là, non. On n'avait pas la certainement plume. Certainement pas. Ouais, je crois que c'était peut-être dans le passé, effectivement. Bon, il y a quoi? Oh! Je vois. C'est... Moi, je trouve qu'il y a tellement de références à Majora dans ce jeu et de Ocarina of Time dans Season que ça confirme que Season, c'est avant Ages. Ah, j'avoue. Bon, attends une minute. Je crains qu'effectivement, c'est peut-être bien et bien dans le passé qu'il fallait que j'aille, en fait, et pas dans le futur. On n'est pas dans le futur, dans le présent. Oui. Le futur, pas le passé. Peut-être que tu iras dans le futur et tu seras dans...
Le fameux jeu Zelda qui se passe dans le futur, A Link to the Past, tout ça, tout ça. A Link to the Future. Oui, non, c'est bon, j'ai un côté de Mademoiselle. Mais attends, non, mais là, je suis en train de me tromper, j'arrive pas à me... Utilise ta carte. J'arrive pas à me souvenir de si c'est dans le passé ou si c'est dans le futur, bon sang, c'est quand même incroyable. Faut arrêter, faut que j'arrête de dire futur aussi. Ok, c'était dans le passé. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était dans le présent. Il me semble qu'il faut pas aller à la lune. Je suis cheval, je cherche des objets qui résistent à l'eau. Avant que je ne meure, je dois finir ces palmes de Zora. Je veux aider les gens en inventant des trucs comme ça. D'accord. En fait, ça servait à rien d'aller voir en fait. Bah, il veut faire des palmes, il a l'air de dire non. Ah, si, c'est bon. Oh. Hey, Okari, tu cherches un truc ou quoi? La corde de cheval? Je connais ce nom. Ouais, j'ai vu une tombe qui portait ce nom à notre époque. Je n'ai pas le temps de parler. Je suis occupé avant tout. Ah oui, je vois ça, effectivement, super. T'as l'air très très occupé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais déjà, il a fait quoi? Il est tombé? Bah comme ça, par exemple. Comment il est venu? On dirait qu'il t'est tombé dessus, et puis après il a dit, je m'en vais, ça. Non, mais en fait, faut savoir que, en fait, je me souviens même plus, Ralph, je crois qu'il s'appelle. Ouais, je crois. C'est en fait un rival de Pokémon rouge. Oui. Il arrive comme ça, de manière... Au moment où tu t'y attends le moins. Tu t'y attends moins, bon, ils t'affrontent pas, parce que quand même, dans Zelda, les gens, ils sont sympas, contrairement à Pokémon, pourrait. N'est-ce pas? Ils pourraient, oui. T'es pas digne des Deneru. Et à chaque fois, ils te combattent. Mais voilà. Non, c'est pas là. Oh là là là. Bon, là, ça tombe, elle est où, à lui, là? Elle serait pas au cimetière? Un cimetière? Ouais, peut-être bien. C'est pas là le cimetière en tout cas. Ouais, on va aller au cimetière. Mais de toute façon on peut passer par là, c'est bon, on va passer par là. On a vu que ça... Après ça tombe et peut-être chez lui, tu sais, des fois... Non, il est mort, ça existe plus chez lui. Il n'a plus de chez lui. C'est bien fort triste, mais ainsi va la vie. Bienvenue au cimetière. Ah mais je crois que... Attends. Ah je crois que c'est par là qu'il faut aller. Mes souvenirs sont exacts et ils le sont toujours, je le sais. Oui, c'est ce qu'on a pu remarquer depuis le début de cette vidéo. Hey, ce type est sonné. On va le sonner encore un peu. Oh, hey, pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce que tu regardes? Je vais te cogner aussi. Ah, on va sauver Dimitri. Pas Dimitri, pardon. Mouche. Mouche. Du coup, ça veut dire qu'on peut pas choisir d'animal ou c'est juste que tu voulais... Alors, en fait... On peut pas choisir d'animal parce qu'on en a déjà choisi un. Ah! Parfait, tu peux continuer ton combat. Oui, parce que c'est très important de s'arrêter en plein milieu du combat. Non, mais pause là quand même. Vous connaissez, tout le monde connaît les bons shonen qui se respectent. On s'arrête de se battre au moment où on doit discuter quand même. Ne me mange pas! Je suis pas bon! Les fantômes sont partis! Tu les as chassés, merci, je suis mouche. Je peux t'aider, crème sur mon dos. Ah, pour l'éviter ou pour charger une secousse en maintenant, je n'aime pas l'eau. Je ne m'approche pas des eaux profondes, alors fais gaffe. T'inquiète, mouche. Et donc maintenant, grâce. Tu peux l'éviter si tu appuies sur A. Tu peux te déplacer au-dessus du précipice pendant que je... Bien sûr, il est sur la tombe la plus éloignée. Ah, bah quand même, oui. Oh yeah, bien joué. Et voilà, quel talent, n'est-ce pas? Au ok, quel mouche. Talent, n'est-ce pas? Allez, à vous là, à vous êtes comme vous, je n'aimais pas l'eau là, je vous connais. Pourquoi? C'est purement gratuit hein, ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est vrai, tu pouvais passer. Oh, j'ai vu la corde. Corde, le bon, tout ce que tu veux est à toi, mon ami. Si tu as des rubis. Tu as assez de rubis. Ouais, j'avoue là, franchement, il faudrait bientôt les avoir, les Pégases. Je ne donne pas mes inventions qu'à celui qui a la force et le pied léger. Cheval! Regardez-moi ça, là. Oh, je connais ça. C'est dans tous les Zelda. En 2D. Oh, dans tous les princesses aussi, ça y est, t'inquiète. Vous obtenez les palmes Zora, vous pouvez nager, appuyer sur A pour plonger. Super. Et voilà, c'est bon, on a gagné les palmes. Ah, c'est beau, hein, parce que dans le passé, il les a pas encore inventées, mais au moins, dans le présent, bah, il est mort avec. Et il les a enfermés comme ça, sous sa tombe. Bah attends. Mais comme on est sympa, on lui ramène quand même sa corde de cheval. Elle ne pourrira jamais une fois mouillée.
Ah bon, bah super. Très bien. Tant mieux, je dis. Mais... Et alors? Elle ne pourrit pas, c'est ça qui est beau. Et du coup, t'as nagé avec, donc c'est bon. Salut. Ouais. Ah mais non, c'est bon, je l'ai déjà équipé. Oui, mais nous, je suis parti. C'est bon, hein, tu peux faire un saut. Oh, t'es pas mon ami. J'ai trouvé ce que tu cherchais. Heureux de t'avoir aidé. À bientôt. Salut. Ouais, voilà, bon, c'était l'apparition de Mouche. Hein. Merci, Mouche. Ouais, on va pouvoir retourner dans le passé maintenant. What? What? T'es caché derrière un arbre, on dirait. Et non, j'ai donné un coup d'épée juste après. On va aller voir le cheval, quoi. Mais oui. Il sera content. On pourra inventer des palmes, et puis comme ça, on aura créé un paradoxe temporel. Genre... La corne de cheval a donc été donnée par Link dans le passé. Pourquoi je suis pas mort, je sais pas. Parce que ça fait plouf. Salut, corne de cheval. Je suis cheval. On cherche des objets qui résistent à l'eau. Te voir me donne de l'espoir pour finir mes recherches. D'accord. Mais la corde, t'en fiches. Oh, pas besoin, pas besoin de la corde. Donc... Mais... Très bien. Très bien. Ça fait plaisir. Mais non, mais oui, mais non, en fait, je suis pas mort dans l'eau parce que, tout simplement, je résiste tu à l'eau maintenant. Tu peux nager maintenant. Oui, ok. Je ne suis plus hydrophobe, tout va bien. On peut aller dans la cascade, tiens. Justement, tu es hydrophobe, maintenant tu flottes. Oui, bon, bah, je crois qu'on va pouvoir continuer, il me semble, vers la droite. Peut-être bien là, je crois, en fait. C'est vrai, on n'est jamais allé... Wow! Je sais pas si on peut aller là-dedans. Ah, non, non le courant est trop fort, il faut que t'appelles Dimitri. Roule Roche, base, village de Lina. Bon, allez, c'est parti, on va se promener. C'est bon, on ne se souvient plus rien, là. C'est fait pour. Ok, d'accord. C'est pas fait pas pour. Par là qu'il faut aller. Oh mais du coup c'est grand parce que là où dans Season il y avait que deux mondes dont un petit, là il y a deux mondes mais c'est oui, deux oui, grands oui. Mondes. Maintenant chat ne rigole plus. Ah tu peux nager ici. Et ouais. Ah c'est comme ça tu avances incognito. Ah oh. Là on peut aller ici tranquille. Ah, là par contre. Ah, là par contre on peut. Bon ça me dit rien. Effectivement il n'y avait rien. Très bien très bien. Peut-être parce que c'est pas encore assez construit. Faudra revenir dans le passé, peut-être que dans le... Oh mince. Ok, d'accord. Attention de ne pas te noyer. Bah la plage aussi, mais il y a de la plage. Mais... Et ce coffre. La plage mortelle. Si seulement on avait une flûte. Mais non. Il est tout là. Oh. C'est bon. Quand même. Ah, tu peux même aller en bas. Tout va bien! J'imagine que normalement t'es censé passer par là. Oui, je pense. C'est un petit peu plus pratique, tu vois. Il y a un dessin étrange sur la porte de l'arbre bouchon. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a un dessin étrange. Bah, c'est Link, quand il était petit, qui s'est dessiné en train de combattre un dinosaure. Ouais, j'avoue. J'abuse. Waouh! Bonjour! Hé, hey, c'est ça! Avec la corde de cheval! Je vais finir mon radeau. Ah mais je me disais bien. Donne-moi cette corde top. Qu'il fallait l'emmener dans le passé. Mais en fait c'était pas un cheval. Tu seras le premier à monter sur mon radeau. Que sera fini. Mais il te faudra une carte si tu veux aller en mer. Si t'as pas de carte, ce sera un désastre. Le radeau sera prêt quand tu auras une carte. Ah ouais super. Bon bah si le radeau il est prêt quand on aura une carte ça va. Mais on a une carte non. Bonjour. Est-ce que le radeau est prêt. Non t'as pas de carte là c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien nous donner une carte. Oh tiens donc, mais c'est Okari. Tu traînes comme d'habitude, que fais-tu, hein? T'as besoin d'une carte des îles. Il paraît qu'il y a un débile qui vend des cartes des mers venant à l'île secrète. Fais ce que tu veux. Je suis trop occupé à sauver Nero pour t'aider à bien sauver. Oui, je vois ça. Hein. Nero. Ah, je vois ça effectivement. D'accord. Et donc là, c'est le moment où il faut aller voir le personnage mystérieux que nous avons pu croiser dans le présent. Du coup, il faut encore changer d'époque. Ouais, je crois. Hein. Mais avant, il me semble. Ah non, c'était pas lui. Pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Par contre, lui, en revanche, il voudrait peut-être ta carte, alors attention. Est-ce qu'il serait ici? Bonjour. Ah, bonjour. Ce n'est pas bon, je dois distribuer le courrier à l'heure, mais je ne peux pas y arriver sans avoir l'heure. Montrez la montre Pau. Oui. Mon tic-tac, ça donne l'heure. Tu me donnes cette montre,
ne me dis rien, tu vas le faire, ça va bien m'aider. Voilà pour toi, je vais me remettre au boulot. Vous obtenez du papier à lettres. À qui allez-vous écrire? Alors, à qui allons-nous écrire? À qui tu veux? À qui? Non, moi je vais écrire à une personne qui a vraiment besoin de... Je pense aussi. Qui a vraiment besoin de... Papier! As-tu du papier? Donne-moi le papier à lettres! Oui. Ouais! Prends ça! Compte un sac qui pue. Heurk, ça pue. Ah! Super! Bon, par contre, ce sac, je ne sais plus à qui, mais par contre, du coup, on se balade avec ça maintenant. Ok, très bien! Ah mince! Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de le commencer maintenant, mais je ne sais plus qui a besoin de ça, mais. Bah, ça me reviendra le moment venu, j'espère. Et alors là? Ah bah, Ricky! Bah, bouquet, d'accord! Hey. Oh, Ricky, je peux sauter par-dessus des trous-trous et des collines grâce à mon super saut! Je ne suis pas de bonne humeur, tu vois. J'ai perdu mes précieux gants, encore une fois, oui. Je crois que je les ai laissés près de l'arbre sur la plage. L'arbre sur la plage. Oh non! Mais je vois! Mais je ne les trouve pas! Mais je crois que c'est l'arbre où j'étais tout à l'heure, là! Regarde, à moins que l'arbre soit, sur à la moins plage. Que ce soit lui, en fait. En fait, c'est juste lui, finalement. C'est pas... Parce qu'il fout ça, mais je pense pas que ce soit lui. Ouais, non, c'était pas lui. Hein. C'est bien l'autre. Arbre sur la plage, ça correspondait. Ah bah non, c'était bien lui. Ok, d'accord, je crois que c'était l'autre là. Oui, mais l'autre il est pas sur la plage. C'est une plage privée de la reine en biche. Très bien. Amenez-les à leur propriétaire là. Ils n'en puient plus. Et voilà tes gants. Eh, mes gants, tu les as trouvés, merci, je vais t'aider maintenant. Saute dans ma poche. Ah, pour un coup de poing, pour stocker la puissance et relâcher une tornade, je peux sauter des trous, des collines. Il brille bien en boucle quand même. Une colline comme ça, c'est un saut pour moi si tu vas vers elle. C'est un saut pour moi si tu vas vers elle, ok. T'approches d'un trou, je vais sauter par-dessus. Essaye, tu verras. Ouah, mieux qu'une plume de Pégase. Allez, maintenant faut boxer le ballon. Bon, j'arrive pas à descendre là, voilà. Oh! Allez hop, encore des petits punchs là. Mais quoi ça, te l'ouvert, messire? Êtes-vous en contact avec les esprits de la forêt? Mon nom est Tingle, le seul et l'unique. Je suis moi-même une fée. Il paraît qu'à 35 ans, je devrais penser à grandir un peu. Mais moi, je dis que Tingle est une fée. Si c'est vrai, voulez-vous que Tingle, la fée, soit votre amie? Ah, j'en vois. J'espère que tu ne le regretteras pas. Tingle, Tingle, cool, dim, pas. Ce sont les mots magiques que Tingle a créés tout seul. Ne les copie pas. Bon, allez, finalement, oui. À partir de ce jour, toi et Tingle est ami. Oui. Et en cas de notre amitié, Tingle va te donner une carte vers l'île secrète. Oui, parce que c'est comme ça qu'on est amis. Hein. Quand vous faites des nouveaux amis, pensez-y, hein, il faut impérativement que vous leur donniez une carte vers l'île secrète. Vous pouvez naviguer sur les mers. Reviens ici si tu veux voir Tingle. Si tu as beaucoup de graines de mystère, il ne t'arrivera que des bonnes choses. Tingle, Tingle, cool, game pas, ce sont des mots magiques que Tingle a écrit tout seul, ne les copie pas. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais, juste entre nous. Je ne supporte pas ce mec. À plus tard. Très bien. Ok, Ricky. Merci. Je sais même pas si on a des graines, quoi. Viens ici, si tu veux voir Tingle, si tu as beaucoup de graines, tu t'arriveras que des bonnes choses. D'accord. Faut lui jeter une graine mystère dessus? Peut-être. Peut-être. Pour l'instant, on n'en a pas encore. On n'a pas encore la possibilité de le faire. Salut! Eh, hey, t'en as mis du temps, mon... Morado est prêt, viens ici! Oh là 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 là! Ah super, je vois le radeau, il est trop bien. Mais si, c'est lui là au-dessus, regarde, pousse-toi là, le radeau il est prêt, grimpe dessus et appuie sur croix pour bouger. Yes. C'est pas lui en fait, c'est lui. Ah waouh! Ah oui d'accord. Ah il est bien pratique ce radeau. C'est pour ça que la mer est dangereuse, il y a des tourbillons. J'avoue, les trucs gros c'est méchant aussi j'imagine. C'est des cailloux? Ah oui, c'est méchant. Ouh. Oh, c'est le donjon? Eh oui! Ça a l'air incroyable! Ah ouais.
attention, on ne peut pas aller là. C'est dangereux. T'es quand même en train de naviguer dans les mers avec un petit radeau. Mais bien sûr, de paix qui... Oh, il y a intérêt d'avoir un trésor ici. Tout le monde fait ça, n'est-ce pas? T'es venu ici trop tôt, ça veut dire. Alors c'est terrible, on ne peut pas se déplacer et donner des coups d'épée en même temps. En revanche, on peut faire des... Écoute, déjà que tu avances grâce à la force de ton esprit, alors bon... Je ne vois pas le problème, ça se voit que tu n'as jamais fait de radeau en mer. Wow. Ah mais ne serait-ce pas l'île secrète du croissant? Oh, on se dépasse tout seul. Quel talent, Link. Oh non, il va y avoir de la foudre et tu vas te faire avoir. C'est le début de Link's Awakening, en fait, on vous a pas dit, mais... C'est à ce moment de la timeline que Link's Awakening se passe. Oh, il y a même des singes qui volent. Non, mais c'est pour ça, il faut pas aller en mer avec un radeau. Ça se... Oh, ils ont tout volé. Ils ont tout volé, bah oui, bah... Ça va être obligé d'être la fin de la vidéo, du coup. Bah, du coup... Il n'y a plus d'équipement, il n'y a plus d'aventure. Ça va, on a quand même le menu pause toujours. Est-ce qu'ils nous ont pris? Ils nous ont pas pris le sac, hein. Bien sûr qu'ils nous ont pas pris, là, mais ils nous ont laissé l'anneau quand même, tu vois, c'est pas des monstres. Grâce à ça, on peut taper plus fort avec une épée qu'on n'a pas. C'est vrai. Avec des points, peut-être. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour le prochain. Au revoir tout le monde.